Et c'est YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Epic Seven où on va parler du nouveau contenu PVE, le Rift. On va donc revoir ensemble les mécaniques du boss ainsi que les personnages qui seront jouables dans ce nouveau mode de jeu. Puis on terminera avec mon avis. Mais avant ça, n'oubliez pas que si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez me soutenir en abonnant à la chaîne. C'est totalement gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. Allez, sans plus tarder, commençons par expliquer le mode de fonctionnement de ce nouveau contenu. Déjà, vous avez 40 tours. Alors, où est-ce que vous pouvez voir les tours C'est très simple. C'est en haut à gauche, comme vous pouvez le voir juste ici. Suite à ça, vous pouvez constater que le boss se donne des buffs qu'on ne peut pas retirer. Alors c'est très simple, ces buffs, il se les donne à chaque tour de jeu et euh, chaque buff va lui augmenter ses dégâts parce qu'il va pénétrer votre défense de 15%. Alors pour faire en sorte qu'il ne se buffe plus, c'est très simple. Faudra poser des malus car au total le nombre de buffs et de malus ne peuvent pas excéder 10. Donc ils ne peuvent pas dépasser 10. Comme vous pouvez le voir, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, une fois qu'elle est 10 malus, le boss ne peut plus se donner de debuffs. Et vous, comme vous pouvez le voir, il y a des compteurs sur les buffs. Et en fait. Ces euh, compteurs se réduisent à chaque tour de jeu, et une fois qu'il n'y a plus de compteurs, du coup il n'y a plus de buff et vous pourrez lui reposer des malus. Ce qui vous permet, du coup, avec une team qui a posé beaucoup de malus, euh, de diminuer la euh, défense ainsi que les HP de votre équipe. A contrario, si vous jouez une team qui ne possède pas beaucoup de malus, bah, vous devrez augmenter euh, drastiquement les HP de votre team. Donc voilà, c'est un petit peu euh, les, les mécaniques de base. En fait, hormis ça, il y a un de plus à savoir. Ah si, une autre info assez intéressante. Euh, tous les 5 hits que vous allez mettre sur le boss, celui-ci va faire euh, une, euh, bah, voilà, une attaque comme vous pouvez le voir avec 30, une attaque supplémentaire qui va euh, taper toute votre équipe en AoE. Et en faisant cette attaque, il va euh, augmenter la durée des malus qu'il possède. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais à 2 malus sur notamment le break Def. Là, je suis passé à 3 malus. Donc en fait, suivant votre équipe, ça vous permet du coup euh, bah, d'avoir... Enfin, le boss, théoriquement, peut avoir en permanence des malus sur lui grâce à cette mécanique si votre équipe est assez rapide et vous si vous jouez notamment euh, Sourine Feu et Ast. Donc là le principe de mon équipe c'est très simple, je joue Astefeu qui est actuellement le meilleur personnage dans dans ce contenu parce qu'en fait, il va faire office de personnage DPS en plus de poser énormément de malus et surtout le break dev qui est extrêmement important. Après, je joue Sourine Feu, donc là encore, c'est un personnage qui a posé énormément de malus en plus de faire de très bons dégâts. Et euh, en personnage, donc devant, c'est mon tank, j'ai mis Milim. Alors sachez que le tank, euh, il vous faut un personnage qui est, a beaucoup de survie, euh, parce que euh, déjà d'une, il va prendre énormément de coups. Et en plus de ça, un personnage qui n'est pas dépendant de son S3, parce que euh, le problème, c'est que... Quand le boss du coup euh, fait euh, son coup de poing sur euh, votre, euh, votre personnage en front lane, celui-ci va avoir ses, euh, ses cd reset de deux tours. Alors actuellement, euh, comme nous sommes pas au niveau 15 du rive, donc je vais vous montrer après euh, les de quoi je veux parler par rapport à ça, c'est que on doit mettre des personnages comme Milim devant, euh, Ken, Cecilia Feu, etc. Plus tard, quand on sera niveau 15 du rift, on pourra éventuellement mettre un healer devant. Donc, je pense notamment à Azel, Tamarine ou Akates. Et avec de l'ER, vous pourrez du coup résister ce reset CD de deux tours. Donc, ce qui vous permettra euh, d'aller encore plus vite sur votre run avec des euh, autres Nuckers. Et puis après, en healer, j'ai pris Azelfeu parce qu'Azelfeu met un great buff attaque et ça fait énormément de dégâts. Donc, comme vous pouvez le voir, ma run est déjà finie, mine de rien. Et euh, j'ai retiré, euh, je pense, j'ai dû mettre un bon 40% de dégâts sur le boss. Alors. Actuellement, euh, l'avantage c'est que ma team permet de clear le boss en 3 try euh, parce que j'ai vu beaucoup de gens mettre plus de 7 try pour clear le boss et c'est vraiment pas rentable. Ouais, vous voyez, je mets pratiquement 39% suivant la run. Euh, bon, dites-vous que là je fais 3 try et je clear le boss donc c'est assez euh, bon pour le coup. Je trouve que c'est quand même un gouffre énergie, mais c'est assez intéressant de clear le boss en 3 try avant le niveau 15. et Une fois que vous serez niveau 15, vous pourrez le clear du coup en 2 try. Alors maintenant qu'on a vu un exemple de run ainsi que les mécaniques du boss, on va parler de l'interface. Bon déjà tout le monde a capté qu'ici vous choisissez vos sets. Donc moi par exemple euh, j'ai pris des sets qui ne sont pas de la banshee parce que je farme énormément la banshee en buff hunt. Donc j'ai été chercher des sets qui, qui n'étaient pas euh, bah, du coup de la banshee. Après vous avez le rift Control. Alors c'est surtout ça qui est très intéressant. Déjà ici vous voyez 40 tours. Là vous avez euh, 20%. Donc en gros c'est mes personnages qui font 20% de dégâts de plus sur le boss. Plus vous allez augmenter votre niveau de rift, plus les dégâts vont augmenter. Par contre, ne vous attendez pas à avoir directement 50% de, de dégâts. Hein. Actuellement, j'ai vu un screen où la personne qui a plus de 50% de dégâts sur ses personnages allait au rift contrôleur de niveau 15. Et pour être au rift contrôleur de niveau 15, il va falloir utiliser beaucoup d'énergie. Donc, maintenant, comment fonctionne le rift contrôleur C'est très simple. Quand vous euh, tuez le boss une fois, donc quand sa barre de vie passe à 0 et qu'on recommence un cycle vous allez du coup gagner des points de rift, donc on gagne 30 points par run. Donc le premier niveau, tout le monde l'a eu très facilement, par contre, vous avez pu constater que une fois le niveau 2 a atteint, niveau 3, etc., la barre de rift augmente. Là, je suis déjà à 240 points, donc en gros, euh, il me faut à peu près, bah, c'est simple, c'est 30 points, donc si je suis bon en calcul mental, euh, spoil non, il me faut à peu près 8 runs. Donc en fait, il faut que je tue le boss 8 fois pour passer au niveau 7, et bien entendu, ça va augmenter. Quand j'ai vu le, le screen du, du joueur qui est a, qui a au Rift 15, par exemple, lui, il doit clear le boss euh, plus de 10 fois, parce qu'en gros, son niveau de Rift, je crois qu'il est à plus de 300 points, pratiquement 400 points, c'est énorme. Hein. Euh, c'est vraiment énorme. Bon, après, bien entendu, plus on augmente le niveau de drift plus les runs sont rapides. Mais dites-vous que même lui, au niveau 15, il fait le run quand deux try. Il ne fait pas en dessous de deux try actuellement. Donc, euh, en gros, c'est quoi C'est deux try, donc 340. Il faudra quand même un peu, ouais, on va dire euh, 12-15 runs pour, pour clear le contenu. Après, euh, on va parler du coup des, des fragments. Alors, moi pour le coup, le premier palier de fragments, euh, alors j'ai vu des joueurs utiliser celui en, en backlane qui me pose un break attack. Personnellement, je préfère celui qui up les dégâts. Voilà, après, c'est vous et votre équipe. Vous ajustez suivant vos besoins. Le deuxième palier, alors c'est très simple, pour ceux qui auront Kane, je vous conseille euh, celui-ci, donc euh, l'œil de la dimension, qui va augmenter l'efficacité et les dégâts euh, des coups critiques du euh, personnage guerrier qui sera situé en front-line, donc parfait pour Kane. Et pour ceux qui n'auront pas Kane, moi je vous conseille euh, la cohésion, parce qu'en gros ça va permettre à votre sous-weaver en front-line de ne pas subir cette, réduction, cette pénétration de défense. Donc, votre Souluban en frontline euh, sera beaucoup plus tanky et ça permettra du coup euh, d'éviter d'utiliser par exemple Milim, Roy, etc. en, en frontline et du coup d'avoir euh, vos CD. Après, en troisième augmente, donc à partir du niveau, euh, du niveau 15, euh, moi ce que je vous conseille, alors là c'est très simple. La première, donc c'est Extinction. Elle peut être sympa si vous possédez, euh, comment dire, si vous mettez par exemple Azelfeu en, en backline et vous utilisez Kane en frontline. Ça permettra à votre Kane d'avoir un grade buff attaque et de faire énormément de dégâts. Si vous n'avez pas forcément Kane en front lane, je ne suis pas forcément fan de cette augmente. Euh, la deuxième augmente est intéressante si vous utilisez Jaco, parce qu'en gros, dès qu'il y aura un extra turn, ça permettra de healer votre équipe. Donc ça, c'est plutôt euh, très très sympathique. Et euh, l'augmente par défaut que moi, j'utiliserai, c'est la Multiplicity. En gros, ça permet à notre personnage euh, situé en back lane d'avoir 50% de chance d'effectuer une extra-attaque lors d'une attaque normale. Donc en gros, je mettrais souris feu en backlane ou éventuellement Milim, Et j'utiliserai ça du coup en... En Augmente sachant que le joueur qui est déjà niveau 15 de rift lui par exemple il a mis minime en backlane avec son propre artefact counter et en gros ça lui permet avec sa minime de, de faire beaucoup d'extra de, attaque si besoin. Et la dernière augmente à partir du niveau de rift 21, donc là c'est très simple, vous avez euh, le fragment offendor qui permet du coup à votre héros en frontlane de ne pas subir cette réduction de cooldown, donc en gros ça permettra à Kane de devenir incroyable en frontlane. Derrière la deuxième augmente, euh, ça permet du coup euh, à votre héros en front line, quand il attaque tous les ennemis, d'augmenter les dégâts de 100%. Donc en gros, je pense que si le boss tape tout le monde en AOE, bah, votre personnage en frontline va faire énormément de dégâts. Moi j'interprète comme ça. Après, peut-être que j'ai mal interprété la traduction, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je me suis trompé ou pas. Et la dernière augmente que moi personnellement je prendrais, c'est celui qui va augmenter euh, le niveau de drift de 7 points. Donc là, pareil, à voir si c'est vraiment 7 points. Donc en gros, ça permettrait de passer au niveau de drift 28. Et du coup, qui dit niveau drift 28 dit plus de dommages. Bon voilà. Bon, en vrai, les augmentes, ça va aider un petit peu à, à réduire la, la, la durée des runs, mais c'est pas non plus incroyable. Euh, après au niveau... Ah oui aussi, chose qui est très importante. Ici vous pouvez voir euh, Remaining chance 3 times. Donc en gros c'est très simple. Si le boss vous tue ou si vous faites un live du contenu... Vous allez, enfin, vous allez passer à deux times, etc. En gros, c'est votre nombre de vies. Si vous êtes à zéro vie, le boss reset. Donc, le but, bien entendu, euh, c'est de faire en sorte que vous ne mourrez pas pour euh, ne pas avoir euh, bah, le boss qui reset. Surtout si vous êtes déjà à 7 ou 8 rails, si le boss reset, vous aurez un petit peu le sum parce que ça sera vraiment de l'énergie perdue. Maintenant qu'on a vu en détail tout ce qu'il fallait savoir sur les mécaniques du rift, on va passer du coup aux personnages utilisables. Alors c'est très simple, la partie SS ⁇ c'est les trois meilleurs personnages dans ce contenu, donc c'est-à-dire Feu. Sourine Feu et Kane qui arrivera très prochainement. Parce qu'il s'agit de trois euh, personnages qui vont faire énormément de dégâts et qui ont posé énormément de malus. Donc c'est pour ça que ces trois personnages-ci sont euh, très importants et très forts dans le rift. Ensuite, vous avez la partie des personnages qui vont faire office de tank, en plus de poser une diminution de défense. Donc pour ça, vous avez Cecilia Feu ou Ken Feu, qui sont très sympathiques. Et après, vous avez l'autre partie, donc les personnages tank, mais qui vont faire des dégâts. Donc là, vous avez Charlotte Feu, Milim, Roy. Euh, Ravifeu ou euh, Edouard. Donc pour la simple et bonne raison que j'ai mis Roy, c'est parce qu'en gros, vous savez, quand vous mettez un Roy châti avec son passif, bah, le Roy, du coup, euh, va beaucoup tanker surtout si vous utilisez un personnage heal qui possède la main de écosse Donc moi, personnellement, comme vous avez vu, j'utilise Milim et plus tard, je mettrai, du coup, euh, Azelfeu en frontline. Après, vous avez les personnages supports qui ont posé un breakdown, qui sont extrêmement importante De toute façon, dites-vous que le breakdow, donc la diminution de défense, est obligatoire sur le rift. Si vous n'avez pas la diminution de défense, ne vous embêtez même pas à faire les, le contenu, c'est une pure perte de temps pour vous. Donc là vous avez euh, Elfelt, donc un personnage collab, vous avez Balfeu, qui est aussi très sympa, vous avez à Feu ou Véronica, parce que oui je rappelle que Véronica sur son S3 pose un break Moi-même j'avais oublié. Suite à ça, on a les DPS classiques, donc Mercedes Feu, Cyrilla. Cyrilla, pareil, bon DPS qui, en plus de ça, pose des malus et notamment un break def. Et après, nous avons euh, Jaco. Alors, bien entendu, la partie des DPS, il y a plein de DPS qui pourront éventuellement être jouables. Je pense à Sermia Feu, etc. Bon, là, voilà. J'ai pas voulu mettre tous les personnages. J'ai un petit peu épuré cette liste pour que ce soit un petit peu plus parlant pour tout le monde. Et après, au terme de healer, vous avez Akates Feu, Azel Feu ou Tamarine. Oui, alors même si Tamarine ne possède pas euh, son. de dual attaque, etc. Sachez qu'elle est quand même jouable. Bon, moi personnellement je préfère Azelfeu pour le Great Buff Attack pour mon équipe. Du coup maintenant que vous avez la liste des personnages, bah, vous n'avez plus qu'à créer votre équipe. Personnellement je vous conseille vraiment d'utiliser un personnage qui va break-dev. Donc moi par exemple euh, si on reprend ma team, mon personnage qui pose des break-dev ça va être Astfeu via son S3 ou son S1. Après mon gros DPS. Euh, ça va être souris de feu, en plus de ça, ça va poser plein de saignements, donc c'est plutôt parfait, comme ça ça évite que le boss me mette trop de dégâts. En termes de healer, je joue Azelfe du coup pour le buff attaque et le heal. Et en tant qu'actuellement j'utilise Milim pour euh, le côté euh, dommage qu'elle va utiliser, qu'elle va qu'elle va faire en plus de la souris qu'elle apporte. Et une fois du coup le niveau 15 atteint... Euh, non, le niveau 8 atteint, excusez-moi. Une fois le niveau 8 atteint, je vais mettre Azelfeu en front-line et Minim repartira en back lane, Voire même, j'utiliserai potentiellement un autre personnage que Minim en tant que troisième DPS. Puis on terminera par la présentation des stuffs de mes personnages. Alors on va commencer avec Azelfeu. Au niveau de l'artefact, moi j'utilise la main de récosse étant donné que le, le boss fait beaucoup d'Aoe, je sais qu'il y a d'autres personnes qui utilisent euh, le Candlestick qui permet de reset les CD et du coup ça permet à Azelfeu de faire euh, très souvent son S3 pour donner un buff attaque. Personnellement j'ai essayé le Candlestick, moi j'aime pas du tout euh, parce qu'en fait j'ai besoin que Azelfeu mette quelques auto attaques pour permettre de au boss d'effectuer son attaque en AO et de prolonger mes malus et notamment le break Death. Euh, plus tard, euh, peut-être que je retirerai euh, le, la main de récosse et je mettrai le candlestick, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Au niveau des stats, bon, je suis sur 210 de speed, 14 euh, KHP, 1400 de défense et 70% de d'essence d'effet. Sachez qu'une fois le, le niveau drift 8, euh, quand je vais euh, mettre Azelfeu en front lane, je vais diminuer la défense et augmenter la résistance d'effet. Parce que du coup, avec la résistance d'effet, ça me permettra de, donc à peu près à 200% de ne pas me faire reset céder par le boss, et euh, la défense, j'en aurais plus vraiment besoin étant donné que le boss ne me fera plus de pénétration de défense. Bon, après, je suis un troller, comme vous pouvez le voir, ma feu euh, n'est pas Awake au max, mais bon, pour le moment, ça suffit donc j'ai pas envie de gaspiller des ressources inutilement. Ensuite, on va passer à ma milim. Donc là, c'est ma milim euh, PVP RTA. J'ai absolument pas changé le build. La seule chose qui a changé, c'est l'artefact où j'ai mis le Caladra pour augmenter les dégâts euh, infligés quand le, le boss subit des malus. Et au niveau de l'équipement exclusif, j'ai mis le S1, mais là encore, ça n'a pas changé. Donc moi, je suis en cette destruction PEN 7. Je sais qu'il y a des joueurs qui jouent euh, une minime beaucoup plus offensive, parce que mine de rien, je pas beaucoup... Euh, enfin, j'ai d'excellentes stats, mais pour les RTA, il y a des joueurs qui sont plutôt sur du 4500 d'attaque, 350 de DCC, qu'un cette destruction torrent ou PEN 7. Ça dépend de, de, vos, de vos gears. Ou alors, il y a carrément des joueurs qui sont en cette rage... Euh, bon voilà, moi j'ai laissé comme ça, je me suis pas pris la tête. Après si je voudrais optimiser mon run et passer sous la barre des 50% HP, euh, il faudrait clairement que je mette un 7 rage, Mais bon, j'envisagerais peut-être de le faire une fois que j'aurai atteint le niveau 8 du Rift. Mais comme j'y suis pas encore, pas... Je, je ne touche pas à son 7 PVP étant donné que je joue en RTA et que j'ai besoin de ma mim. Puis on va passer à la star du coup du rift. Il s'agit de Astefeu. feu. Donc là, effectivement, j'ai mis un gros stuff sur le personnage. Euh, mon Astefeu feu a 270, 278 de vitesse, 100% de chance de coup critique et 86% d'efficacité. Alors 86% d'efficacité, c'est normal étant donné que je joue là à la bastron. Et du coup, je repasse au-dessus des câbles des 105% d'efficacité. Parce que oui, il vous faudra 105% d'efficacité pour euh, être sûr à 85% de chance de poser des, des malus étant donné qu'il y a toujours les 15% de RNG qui, qui cassent la tête. Au niveau euh, donc pourquoi j'ai mis autant de speed sur euh, Feu parce que vous voyez des, des joueurs qui jouent avec moins de speed etc bah c'est très simple euh, moi il me faut le break def si je n'ai pas le break def ça me trigger de toute façon ma principale source de dps c'est le break def et euh, comme j'ai pu constater sur différents runs. Euh, le fait d'avoir un haste-feu plus lent euh, fait que de temps en temps, bah, le boss, il n'a pas le break def, il met trop de dégâts, etc. Donc, bon, c'était pas. Voilà, ça me plaisait pas. Donc, j'ai pris un set, enfin, euh, du stuff qui traînait dans mon inventaire et je l'ai mis sur A -stuff. alors vous allez me dire, ouais, il y a mis du stuff qui traînait, oui, euh, j'ai des pièces à digit de speed qui traînent, hein, genre, voilà, euh, moi, je cherche surtout des pièces à plus de 20 de speed dans cette speed, le reste à 18 de speed, ça ne m'intéresse pas, donc j'ai mis ça sur mon A -stuff, du coup, il a une bonne speed, ça lui permet euh, de cycler très souvent, de faire beaucoup, enfin, de bons dégâts, et euh, grâce à ça, j'ai aussi tout le temps le break dev, comme vous avez pu voir sur la run actuelle. Puis après à passer à souris de feu. Donc là pareil une souris feu assez rapide avec 231 de vitesse, mais qui a quand même des stats offensifs. On parle de 3100 d'attaque et 232 de DCC. Euh, le seul truc que je pourrais reprocher à ma souris de feu, c'est ne pas avoir d'imprint parce qu'en gros avec des imprints, j'y gagnerais 23% d'efficacité, presque 24%. Ça me permettrait du coup de diminuer l'efficacité ici pour augmenter l'attaque. Bon voilà. Actuellement, ça, ça me convient le run. Au niveau de l'artefact, je suis parti sur le talisman de violet parce que c'est très simple. Hein. C'est un, un mode de jeu où ma souris de feu va beaucoup jouer. Donc en gros, je vais avoir 30% de dégâts bonus grâce à ça. Et puis bah, après, elle bah, est là pour, pour taper, etc. Maintenant, ce qui concerne mon avis sur ce nouveau contenu. Alors personnellement, je suis quand même hypé dans le sens où ça fait plaisir de voir Smagets créer du nouveau contenu euh, PVE HL. Bon, même si, on ne va pas se mentir, ça va être un contenu qui va être euh, très rondondant parce que bah, du coup c'est juste du farm automatique, mais bon, au moins ils font l'effort de sortir des, des choses, donc ça voilà, c'est plutôt bah, chapeau de leur part. Maintenant le problème c'est comme d'habitude quand SmileGats crée quelque chose, donc un nouveau contenu, etc., bah, celui-ci est très mal dosé et on va pas se mentir actuellement, le rift est éclaté. Déjà je vais être honnête, si vous n'êtes pas capable de faire le rift euh, en 3 runs, ne farmez même pas le contenu, c'est une perte de temps et d'énergie pour vous. Parce que c'est très simple, euh, les rewards sont inintéressantes. Parce que là, dites-vous que quand je claire le boss, je vais recevoir mon stuff. Et c'est du stuff violet. Hein. Le stuff rouge, personnellement, je n'en ai pas vu beaucoup. Hein. J'ai peut-être dû voir deux pièces sur, euh, sur plus de, de 20-30 runs. Enfin euh, non, pas sur 20-30 runs, sur plus de... Ouais, on va dire 10-15 clear, j'ai vu que 2 pièces, voire 3 pièces rouges. Donc déjà, c'est euh, éclaté en termes de reward. Ensuite, euh, c'est un gouffre à énergie du coup, parce que bah, c'est 40 runs la première run, puis après c'est 20 et 20. Donc en gros, c'est 80 énergie pour 2 pièces de stuff violette, en 3 runs je parle. Parce que si vous êtes en 7 runs, alors là j'en parle même pas, c'est plus de 200 énergie. Pour deux pièces violettes, enfin, franchement, c'est pas du tout rentable. Donc, si vous n'êtes pas capable de farmer le, le rift, enfin, si vous n'êtes pas capable de faire le rift en trois runs, je ne vous conseille même pas de toucher au mode de jeu. Et encore, même en trois runs, pour ma part, je trouve que ce n'est pas du tout intéressant de faire le rift. Ensuite, l'autre chose que je trouve que c'est un petit peu du, du foutage de gueule, ça concerne les rewards de saison. Alors, comment j'obtiens des rewards de saison bah, C'est en tuant le boss. Une fois vous allez obtenir 10 points, donc là vous pouvez voir, je suis à 180 points, donc j'ai tué le boss 18 fois. Du coup, là c'est toutes les récompenses que vous allez pouvoir obtenir. Et personnellement, je trouve que c'est relativement faible. Déjà, euh, je trouve qu'ils auraient pu mettre deux molagora, donc deux ici et deux ici, ça fait quatre au total. Ça aurait pas été de refus. Je trouve qu'ils auraient pu mettre deux coffres, etc. Euh, ici, quatre coffres de permutation, et derrière, surtout là où c'est le scam du siècle, c'est une pierre de reset sur. 2100 points, ce qui équivaut à, bah c'est simple, 210 clear de boss. En gros, vous devez tuer le boss 210 fois pour obtenir la pierre de reset, sachant qu'il n'y a qu'une pierre de reset et non deux, et surtout, il n'y a pas celle de du collier et de, de l'anneau. Donc, euh, vraiment, sur six mois, je trouve que c'est très très léger le tableau des rewards. Euh, ou au pire, euh, je sais pas, faites quelque chose, genre vous mettez x2 les récompenses. Ou euh, vous mettez que chaque fois que vous tuez un boss, on obtient des récompenses. Et dans ce cas-là, il y a plus de récompenses overall sur 6 mois. Mais là, c'est très très léger. En plus d'être euh, naze en termes de reward de base. Pour moi, c'est très simple. Il ne devrait même pas y avoir de stuff violet dans le Rift. Pour moi, il devrait y avoir que du stuff rouge. Et le Rift permet du coup aux joueurs HL qui ont énormément farmé les, les hunts, etc., de se concentrer que sur le Rift et de personnaliser euh, du coup leur set. Bon, voilà, hormis ça... Euh je trouve que l'idée est quand même très sympathique, mais bon, l'exécution est très mal faite. J'espère en tout cas que SmileGates euh, va ajuster le, le contenu très prochainement. Et puis bah, comme j'ai dit, hein, si vous n'êtes pas capable de faire le rift en 3 runs actuellement, ne farmez pas du tout le rift, C'est pas du tout rentable pour vous. Enfin, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me donner votre avis sur le rift. Si vous pensez que le mode de jeu est rentable ou pas. Si vous le trouvez sympathique. Quel team vous utilisez pour passer ce contenu, etc. Allez sur ce YouTube, portez ou bien à la prochaine point de vidéo Bye